Bien vu. Ouais, les Bibi, on va peut-être se faire deux Grands Prix de 16. Parce que FunFat prend un 20h. Il faudrait qu'à 18h, on soit sur les Bibi. Si je suis vraiment une quiche dans les trois quarts d'heure qui suivent sur Gordian Rooms. Ah bah tiens, voyez. C'est celui-là que j'ai acheté, comme disait Tuncen. Celui-là, on le fera après le Gordian Rooms. Nouvelle part. Il me fait toujours peur comme. Non! Ah non! Ah si, j'étais au salon. Et je suis traumatisé par le bug. Je suis traumatisé par le bug quand on avait passé la cave et la cuisine et qu'il m'avait refoutu dans la cave. Le traumatisme est resté intact. C'est tout noir. Attends. Ouais, c'est tout noir. Merci de me l'avoir dit, une scène. Alors attends. Minute papillon. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Attendez, je vais retirer mon truc de cow-boy. Pardon, mon cher Gabriel. Mais je t'avouerai que la coiffe finit par me peser un peu. Donc je la remettrai ultérieurement. Oula, doucement. C'est pas bien. La manière dont j'ai jeté mon chapeau, même légèrement, c'est pas comme ça que je veux l'entretenir dans les années à venir. C'est tout noir. Oui, c'est tout noir. Parce qu'en fait, pour vous avouer la technique, Sonic, j'avais. Voilà. Non, j'avais une capture d'application. Alors que là, je dois faire une capture d'écran. Ça joue à la souris, je crois. J'ai pas besoin de prendre de. Voilà. Alors attends, je me souviens plus du tout du truc. Un petit triangle. Puis c'est bien, comme c'est posé, là vous voulez interagir avec moi, c'est nickel. Alors que Sonic accaparait mon attention, là c'est pas le cas. Là je peux vous regarder à n'importe quel moment. Un petit triangle fait avec du matériau de haute qualité. On dirait une chevillère là, une. Oh mon Dieu! What? Un morceau de papier avec un étrange schéma et je ne peux pas manipuler le papier. Po, 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 po. Alors, je viens de là. Oui, je peux pas sortir. Tu mets le placard, on peut ouvrir? Non, je crois pas. Oh. Attends voir. Ouais, non, je suis pas sûr. Alors les colonnes. Gros mystère avec les colonnes. Est-ce que je peux, vous voyez, je peux. Celle-là je peux aussi, je crois. Ah non, elle est fixe. Attends, celle-là, elle est mobile. Et ouais, il y en a deux. Il y en a deux de mobiles. Ou elles le sont toutes. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il n'y en a que deux de mobiles. Les fléchettes, on avait fait. Le billard, on avait réussi. On avait libéré ça. Oh, ça donne envie de manger des viennoiseries, là. Ça, on l'avait résolu. Je sais plus comment, mais on l'avait résolu. Ah oui, il me manque un truc. Il me manque une pièce dans ce présentoir, ce damier. De mémoire, il y avait toujours l'énigme avec les bouteilles de couleur. Non, on l'avait passé. Non, non, non. L'énigme des bouteilles, on l'avait passé. C'était ça, Saul. On l'avait passé, c'était ça. Et le truc est fermé. Je peux plus interagir avec toi. C'est vert, c'est que j'ai le. Quand c'est indiqué vert dans la petite pièce secrète, tu vois, j'ai résolu une énigme. Le vert est résolu. L'énigme rouge est résolue. Le rouge-orange, là, c'est le billard. On va aller voir le billard, on va retrouver la même lumière. Il faut que je résolve le. J'aille résoudre le pépin bleu. Le bleu, ça doit être les colonnes, je pense.
Encore que je vois pas de diode, mais bon. Attendez, le billard, regardez. Vous avez vu, le billard, il a sa petite loupiote. Donc, c'est bon. On a résolu deux énigmes sur trois. Ça ne représentait pas la rose des vents. Peut-être, peut-être, Saul. Ah, oh, regardez comme c'est beau. Il fait complètement sombre maintenant. Eh oui, au début de l'aventure, il pleuvait. Il pleuvait. Oh, du piano. Joue du piano. Il jouait du piano debout. Je pense qu'il n'y a rien au niveau de ce canapé. À moins d'une note planquée sous le canapé ou je sais pas quoi. Genre, j'avais cru comprendre qu'il y avait des notes secrètes à chaque chapitre. Donc, on a merdé la cuisine. Où on apprend en fait l'histoire véritable qui se trame derrière. Mais. C'est beau. J'aime bien l'atmosphère du salon. C'est stylé. Alors, y habiter, non. Et y être invité un week-end, une semaine, volontiers. Alors ça, j'ai pas compris. Une peinture de mon oncle. Il a l'air de se moquer de moi. Alors ça, c'est... J'ai pas interagi avec ça. Est-ce que... Oui, non. Non, je pense pas. Nope. C'est pas les boutons. Ça, on avait fait. Fléchette, ça, on avait fait. Ça, c'était l'énigme des bouteilles. Là-dedans, j'avais trouvé des boules de billard. Ici, est-ce qu'il me reste un truc à faire dans la cuisine? Je crois pas. À part ça. Ah bah, c'est ça, c'est le coup de l'énigme. On voit le truc bleu. Il me manque une pièce. Parce que sous le cerf, on avait la soluce. Et on voit qu'il manque une pièce. Il y en a 5. Si vous voyez bien le truc en or là. Je sais pas si je peux bien. Non, je peux pas faire mieux. Et j'en ai que 4. Il me manque une pièce là. Qui fait 3 de long. La question c'est où est-elle? Est-ce que c'est pas au niveau des colonnes? Je crois que c'est les colonnes qu'il faut résoudre. Le papier et la porte. Est-ce que... Oui, on peut fermer le coffre. Là, je peux rien faire de toute façon. Attends, ça fait 5 sur 5. Ça fait 5 sur 5. C'est pas ça, ça fait 7 sur 7. Même si c'était le truc zoomé. Non, non, non. Alors, est-ce que le papier a un lien avec les colonnes? Parce que là, j'ai le sigle là. J'ai le sigle là, j'ai le sigle là et j'ai le sigle là. Si je peux que bouger ces deux colonnes-là, celle-ci et celle-là, on le voit. Donc les deux là sont immuables. Je peux visiblement pas interagir avec. C'est la caméra qui bouge. Est-ce que les signes correspondent. Ouais, ça correspond. Donc, voilà, je dois avoir le... Ouais, c'est ça. Le papier est en lien avec les colonnes. Le papier... Alors, il y a une logique avec le papier. Si ça bouge pas, c'est quoi la logique? Ah! Le nord. Quand on tient une carte, le nord, on le met toujours vers le haut. Quête de faire un escape game room sur Nancy avec Nayonet. Peut-être un jour tu une scène, c'est pas con. Faudrait lui proposer s'il serait intéressé, c'est pas con. Alors à une époque, c'est-à-dire comprenez, avant la foutue pandémie, à une époque il y avait des salles de jeux de Jarlat à Nancy, il y en avait des bonnes.
Eh, pardon, je bois un coup. Mais je sais pas si ça lui plairait à Nayone qu'on le fasse en vrai ensemble. Mais tu sais quoi, tu une scène. Pardon. Je pense pas que j'aurai le droit de filmer. C'est con, hein. Mais je pense pas que j'aurai les autorisations pour filmer. On vient tous sur Nancy, on fait ça. Ah, de se le faire entre nous, non filmé. Ouais. On pourrait se renseigner dans ce sens, sans déconner, tu une scène à l'occasion. Frère, mais je sais pas si c'est. Si aujourd'hui c'est. Mais avant, il y avait. Avant, il y avait. Il faudrait. Oui, à plus, Saul. Merci. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Très bonne suggestion, tu une scène. Il faudrait que tu me fasses une piqûre de rappel. Oui, on le fait chez moi, oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, l'autre. Oui, on dort chez moi. Ouais, bien sûr. Oh, l'autre. Il s'invite. Alors, un morceau de papier avec un écran schéma. Revenons au jeu. Alors, je vais noter. Il faut que je note. Faut que je note parce que. Merde, c'est là où je me rends compte que j'ai pas de crayon cette semaine auprès de moi. J'ai pas spécialement. Ah, j'ai une feuille. Ah bah, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient avec moi pour. J'allais dire Escape Room. N'importe quoi. Pour. Seul sur Mars. Padded Crafter. Avec le coup, des coordonnées des sites sont magnifiques. Donc j'ai mon papier de jeu, d'ailleurs que je vais plier parce que. Oh, mais je dois avoir un stylo dans le coin, c'est pas possible. Attendez, bougez pas. Au pire, tant pis, je me lève et puis je regarde dans mes affaires de secrétariat. J'ai obligatoirement un crayon. Ah bah j'en ai un là. Ça doit être mon crayon de secours. Ah mon Dieu! Attendez, j'ai tout bousculé. J'ai même bousculé mon tilifo. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bah. J'ai fait. Ah oui, d'accord, non, c'est rien. Ça, on s'en fout, ça peut tomber, c'est sans risque. Merdoum. Bah alors! Ah, voilà que j'arrive à caser mon téléphone. Pardon, revenons au jeu. Ah, bah tu tombes bien, Renaillonnet. Oui, il y a Twinsen qui suggérait l'idée d'un escape room, un escape game, un jeu d'échappatoire. En vrai, en dur. Je sais qu'il y en avait des établissements de ce genre sur Nancy avant la pandémie. Est-ce que, Nayonet, est-ce que tu sais si aujourd'hui sur Nancy, il y en a qui organisent dans notre ville ce genre de jeu en dur, en vrai? Je sais pas si tu as une info dans ce genre, Nayonet. Très bonne question. Ah, t'en connais un? Ah, tu une scène là, tu vas le. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Alors attendez, je vais noter les colonnes. Génial, mon stylo est froid et je peux pas écrire. Ah! Chauffage de stylo. Burp, 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 burp. Alors, W S E E S, c'est ça? Ouais. Et l'autre, c'est. Oh, je peux faire à côté. Le zigougui d'espèce de E inversé que je dessine très mal d'ailleurs. Je. Pas bien. Je fais du travail de cochon NW. S-W-N. Alors, si j'ai ça en main. Ah, vous pouvez admirer mon gribouillis! Mon gribouillus! Le papier, le papier. Alors, si le nord, est, ouest, ça se tient. Donc, ouest, sud, est, sud. Je vais dans le vert. Ok. Si avec le E retourné là, je fais nord, c'est ça. Ouest, sud, ouest, nord. Je vais donc dans le vert. C'est ça la soluce. Donc, pour l'autre colonne, l'autre colonne, pas l'eau de Cologne. Ah, minute.
Alors, si je fais l'espèce de faux 8 là, il faut que j'aille d'abord à l'ouest, puis au nord. Non, pas du tout. Il faut que j'aille à l'est. Je fais des conneries. À l'est, puis encore à l'est, puis au nord, puis à l'ouest et à nouveau au nord. Si je fais le rond-croix, il faut faire nord, ouest, ouest, sud et sud. Logique. Donc nous allons appliquer cette soluce. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Alors je me tourne vers le rond-croix. On a dit nord. Donc je vais d'abord au nord. Ensuite je vais à l'ouest. Puis à l'ouest et deux fois sud. Voilà. Lui, il faut que j'aille à l'est, puis une deuxième fois à l'est. Ensuite, aller au nord. Pour ensuite aller à l'ouest, puis à nouveau au nord. À l'ouest, puis au nouveau au nord. Oui! Oui! Oh! Bah. C'est beau. C'est une chèvre. Mais... elle est joliment modélisée, la chèvre, mais dont j'aime boire le lait. C'est vrai en plus. Et là, sésame, ouvre-toi. La loupiole bleue s'est activée. Ce qui veut dire... Oh oui... je suis en droit de jouer. Attends. Oh mon Dieu! Oula. Oula là, t'es qui là? Oula là, mon cerveau va. Pardon, j'ai pas regardé le. Ah, tu connais la personne qui le fait en plus. Énorme. Cool. Bonjour Dame Lilith. Oui, t'es en lurk. Oui, Monsieur Jambon m'a expliqué que t'as fait une bonne trotte, une bonne marche et t'as besoin de t'en relaxer. Mais merci à toi de te manifester. Merci, c'est, ça fait plaisir. Merci tout plein. Tiens, d'ailleurs, vous me faites penser, j'ai pas fait la pub à Monsieur Jambon. Tac, 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 tac. Voilà. Ah, il n'a pas fait de description ? Ou je me suis loupé ? Bah, attends, tu m'intrigues. Ouais, non, c'est ça. Oui, j'espère que je ne suis pas loupé. Merde. Et là, je réinitialise. C'est ça. Attends, lui, je le fais monter, mais après... Quoi ? Oh là là ! Attends, le jaune est extrêmement vicieux. Là, je monte. Ah, mais il peut pas revenir en arrière. Oh la vache ! Ouais, donc là j'ai perdu puisque le jaune je peux pas le... Ah ouais, le jaune je l'ai coincé à l'angle. Wow, 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 wow. Il faut que je mémorise les mouvements de chacun.
Non, mais c'est impossible. Putain, mais... Oh, le casse-tête! Et lui, je fais comment? Ah, lui, il va à l'extrême... Oh, la vache! Ah ouais, balèze de chez balèze, là. Lui, il descend. Ah, il peut remonter, lui, par contre. Ouais, mais ils peuvent pas échanger leur position. D'accord. Po-po-po-po-po! Ça va être dur, là. Attends, je me suis fait mal à la lèvre. Je crois que je me suis coupé au rasage ce matin. Je m'en suis pas rendu compte. Et je viens de faire sauter connement la croûte. Et du coup, ça pique. Ouais. Sauf que le bleu va pas rester. Oh la vache. Je tiens peut-être quelque chose. Ou pas. Non. Merde. Ouais, non, c'est mort. Oh la vache. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. Ouais, mais je peux pas. Putain, c'est con. Ah ouais, c'est con. Bonjour. Oh, la provoque, le sage de Metz. Bonjour, Pierre. Tu vas mieux? T'étais pas en top forme ces derniers jours. Alors, je te cache pas que j'ai essayé de te joindre, puis finalement, tu m'as pas répondu. Donc, je me suis dit que t'étais malade ou que t'étais très occupé. J'espère que tu vas bien, Pierre. Non, c'est débile. Je suis en train d'y aller au pifomètre. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Non, c'est débile, mon truc. C'est débile. Ça va mieux? Ah, t'es encore... Ouais, je peux te téléphoner quand tu veux. Bah là, je vais pas t'enquiquiner. Je te cache pas que je profite de mon week-end Twitch. Mais... Lundi, mardi, vers la fin de journée, en espérant que je sois... J'ai juste une voix comme Marlon Brando dans le parrain. Ouais, bah je vais essayer de te reposer encore un peu, mais je vais essayer de te rappeler dans la semaine, Pierre. Mais ouais, prompt rétablissement à toi, ouais. Ah, c'est chiant. Hein. C'est chiant quand t'as la voix qui te lâche. Merde. Ah merde, j'ai gâché mon truc. Attends, il faut que je note le... Parce que je pourrais pas réfléchir. Alors attends, il y a le bouton... Ah bon, oui, bon, ils sont chiants avec leurs boutons. Comment je vais faire? Je veux dire qu'il y a trois boutons. Tac, 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 tac. En colonne. Alors, si je fais le premier, j'ai jaune, haut, le jaune monte, le bleu descend, et le rouge allait sur le côté droit. Ok. Le bouton du milieu. Attends, je réinitialise. Le bouton du milieu. Alors, c'est le jaune qui va à droite. Et visiblement... Attends. Le rouge monte. Le rouge... Et le bleu, il fait quoi? Le bleu, il va à gauche. Le bleu va à gauche. Le dernier bouton.
Le jaune va à droite. Ok. Le rouge va en bas. Mais le bleu... Le bleu fait rien ? Attends. Ah si, à un moment il est allé sur la droite. Ouais, bizarre. Le bleu, je note rien. En gros, je me suis noté comme ça, si ça peut... Don Troutman, ouais. À la voix. Oh mon dieu. Ouais, c'est vrai que c'est pénible. Oh, reste bien au chaud. Ah, oula. Non, je vais garder mon truc en main parce que... Et puis, si je capuchonne pas mon stylo, je me connais. Comme les écoliers, je vais mettre des coups sur la peau. Je vais avoir des mains de... Hein, bon. Des mains d'écolier. Alors... Le rouge ne peut jamais aller à gauche. Le rouge peut jamais aller à gauche. Le bleu, visiblement, ne peut ni aller à gauche ni en haut. Bah si, à un moment, il y va. Mais qu'une seule fois, c'est bizarre. Ah, mais oui, mais il est en buté. Ça, c'est une case de buté. Mais oui, mais que je suis con, moi. Ah, il va sur la droite, le bleu, au niveau du dernier... D'accord. Voilà pourquoi. Oui, j'avais oublié que c'était une butée, un truc en gris. Donc le bleu ne va jamais en haut. D'accord. Et le jaune ne va jamais en bas et jamais à gauche. Le jaune ne va jamais en bas et jamais à gauche. Ouais. Donc j'ai presque à dire, c'est presque le jaune dont j'ai à moins me soucier. Le bleu, il faudrait que je le coince... Ouais. Donc il faudrait que je fasse d'abord les deux boutons. Les deux boutons. Non, je peux pas bloquer le rouge. Si je fais le premier bouton, le bleu va aller en bas et le jaune va monter. Ça peut... Ouais. Excusez-moi, hein, c'est pas super passionnant, mais là, j'ai... Le jaune... tac. Tac. Le bleu... Ah, il faudrait presque que je fasse... Oh, le jaune va aller là. Il faut impérativement que le jaune monte. Je coince le jaune tant que je fais pas le premier bouton. Sinon, il va monter. Le bleu, éventuellement le dernier bouton, mais le rouge va descendre. Ce qui est pas forcément un mal, parce que... Je peux faire ça. Le jaune va monter, le bleu va descendre, et le rouge va se mettre en place. Le rouge est libre. Merde. Je peux essayer de baser le jaune, là, ce qui fait que le bleu, je le mets en arrière. C'est peut-être ça. Le jaune, il est bloqué. Le bleu va revenir là, mais le rouge va descendre. Si je remets... Le bleu... Merde, le bleu va descendre. Ah merde, mais le bleu, je peux plus le remonter. Non, bah j'ai perdu. C'est pas bon. C'est pas bon. Merde alors. Ouais, là, mon truc est pas forcément bon. Le jaune. Faut que le jaune monte. Là, j'ai bloqué le jaune.
Mais le bleu peut pas remonter, c'est con ce que je viens de faire. Ah, j'ai le droit que de descendre qu'une seule fois le bleu. Ça veut dire que je peux appuyer qu'une seule fois sur le premier bouton. Ah mais c'est pas possible, puisque le jaune doit monter. Attends, comment je peux bloquer le bleu? Oh, il faut que je le bloque entre les deux. Voilà. Pardon pour cette phase non passionnante mais nécessaire. Si je fais monter le rouge, le jaune va... Merde. Il faut que je fasse monter le jaune. Mais le rouge... ça va pas. Parce que le rouge... Ah mais puis non, puis le bleu, je l'ai libéré, quoi. Merde. C'est con, hein. C'est très très con. Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Ah la vache. Pas le temps, on a la nouvelle structure qui va bientôt être opérationnelle. Ah ouais, tu peux même pas te reposer. Oh là là, mon pauvre. Eh ben, bon courage avec tout ça. Je coincerai volontiers le jaune. Merde. Je penserais que le jaune serait prioritaire, mais non. Ah! Oui, non, c'est mort. Le jaune ne peut pas revenir. Ah, mais c'est dur! C'est dur! Ah, c'est le bleu qui a pris la place du jaune. Oh! Ouh! Il faudrait que le rouge dégage là. Attends, le bleu est foutu. Non, j'ai trop fait descendre le bleu. Merde! Ah con, je crois que j'ai... Attends, enfin je crois que j'ai compris. J'aurais pas cette prétention, mais... Ouais, mais le rouge va descendre et le jaune va avancer. Monter le jaune une fois. Est-ce que je peux mettre le jaune sans que le bleu bouge? Non. Mais je peux faire ça. Remonter le jaune, le bleu va descendre. Merde. Ah! Je suis coincé! C'est dur, hein. C'est vraiment dur, dur. Que si je prends le risque de démarrer comme ça, Merde, le bleu a trop descendu. Ah con, j'ai regardé le rouge et le bleu et... Ah,
Le rouge peut remonter, donc c'est pas un souci. Jaune. Donc c'est pas ça, ça va pas. Il faut presque que j'ignore le rouge et que je me focalise sur le bleu et jaune. Parce que le jaune ne peut pas descendre et le bleu ne peut pas monter. Je peux pas faire... Ben non, je peux pas. Je peux pas... Merde. Oh la vache. Le casse-tête. Comme ça. Attends, il faut que le bleu... Wow! Merci de votre patience. Ah, c'est bien foutu. Le bureau de mon oncle. Une pièce réservée pour les alcools, donc les spiritueux, entre autres. Avec un beau comptoir et un passe-plat relié à la cuisine. Merci. Je suis content cet après-midi, je suis plutôt bon. Entre Sonic et ça, bonne journée. C'est cool. C'est vraiment cool. Lecture. Le bureau de mon oncle. Une pièce réservée pour les alcools, avec un beau comptoir et un passe-plat relié à la cuisine. Il semble que mon oncle savait vraiment comment mener une vie agréable. Heureusement pour moi, les heures innombrables que j'ai passées pour jouer des morceaux de piano n'ont pas été mises à contribution, pour confirmer une fois de plus mes doutes sur mes capacités dans ce domaine. Par contre, mes modestes talents au tir se sont avérés utiles avec l'énigme des fléchettes. Comme il y avait des jeux intéressants, j'ai pensé que cela aurait été amusant de rivaliser avec mon oncle. Toutefois, je me suis demandé si j'aurais un jour l'occasion de le faire. Cependant, la salle suivante contenait principalement des indices, car c'était son bureau secret. Séparé du salon par une cloison mobile. Une cloison mobile, j'aurais dû y penser dans un endroit comme celui-ci. En regardant autour de moi, je découvris une pièce petite, mais soigneusement décorée, qui paraissait n'avoir aucune issue. Il m'a alors semblé que c'était mon dernier défi. Bon, je vis une cage contenant un cube en bois et la statue d'un chien avec une roue dentée dans sa gueule. Ce n'était qu'un premier aperçu. J'ai su que j'arrivais dans la partie vraiment étrange du manoir et je me préparais à tourner des poignées et trouver des codes secrets quand soudain la porte claqua derrière moi. La première chose que je ferai, quand cette maison m'appartiendra, ce sera de réparer ces portes. Merci pour le GG. Je viens de terminer des chapitres pour mon YouTube, participation de vidéo de catch. Ah, bien. Continuez. Ah. Hein? Pourquoi j'ai ça direct? J'ai un fer à cheval. Petit triomphe du matériau de haute qualité.
J'espère que c'est pas un bug. Je suis intrigué de pas les avoir ramassés et de les avoir déjà sur moi. Bizarre. Moi. Ouais. Ah, un portrait! Mon oncle peignait un portrait de lui-même. Ah, ah, ah. Tout ce qu'il faut pour peindre. La peinture est sèche. C'est là depuis un certain temps. Non, sérieux, il n'y a pas de... Oh! Vue d'ensemble de la pièce. Ah, c'est la fameuse porte. C'est par là que je suis entré et je ne partirai pas sans les documents officiels pour héritage. Ah, oh, ce plafond. Oh mon dieu. Méfions-nous du plafond, il y a peut-être quelque chose d'inscrit. Oh la vache, le style. C'est un style, hein, comme pièce secrète. Oui, c'est une extension de salon. À mon avis, oui, il était rarement dans le salon ou seulement quand il recevait. Sinon, il était là. Merde, qu'est-ce que j'ai ramassé? Une manivelle, il manque quelque chose. Ah, tu m'étonnes. Avec le fer à cheval, on va aimanter tout ça. Ne me dis pas que... Nope. Non, ce serait débile. Ce serait débile, il n'y a pas de sens. Alors, ah oui, le chien et la roue dentée dans la gueule. Je peux pas le prendre de la bouche du chien. Intéressant. C'est quoi ça? C'est un pied de biche? Non. Ah non, c'est un chausse-pied. Ah non, c'est un pied de biche. Pourquoi est-il dans cette pièce? Attends. Dans l'angle de la... Je peux pas zoomer sur le... Non. Une statue en métal d'un chien. Très étrange, mais pas franchement pas surprenant. Là, faut faire sauter le truc. Je ne peux pas prendre de la bouche du chien. Ah bon. Enfin, j'en ai peut-être pas besoin, tu me diras. J'ai peut-être un leurre, c'est peut-être du bluff. Zzzz, il dort. Zzzz. Kizako, je dois d'abord le reconstituer. Ah, c'est un œil. C'est un œil. Il me mate, le tonton. Tiens donc. Ouvrez la cage aux oiseaux. Bah. Si je peux. Non, je peux pas. Nya 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 nya. Oh, y a trop de trucs. Ah, oh, mon dieu. Zzzz. Alors, il y a un truc de code à 5 lettres et un autre à 6 lettres. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, ça. Là, je peux le tourner. Évidemment. J'aurais été trop facile. Il m'en faut un quatrième. Ouvrez les tiroirs. Ouvrez le petit bulot. C'est quoi ça? Oh, une clé cachée. Une clé ordinaire. Êtes-vous sûr? Pas sûr. C'est du bluff. Oh, mon Dieu. Rien sur le tapis. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'il peut y avoir des notes secrètes de planqué normalement, mais... Sous le tapis! Il y a un truc sous le tapis, non? Oh mon dieu, il est 18h. Tant de livres, oui, tant de livres... Y a rien au niveau de ce truc. Attends, le pied du machin non plus. L'armoire. Ah, oh, c'est chou. Comment ça, j'aurais essayé autre chose. Verrouiller, j'ai besoin d'une clé. Mais non, mais pourquoi? Ah. Ah. Oh. Un papier avec 5 trous.
Ok. Pas compris. Je clique sur tous les bouquins. M'en fous. M'en fous. Un miroir. Je suis surpris qu'il n'y en ait qu'un seul avec tous ces portraits tout autour. J'ai pas à m'approcher du miroir, on est d'accord. Putain, la peinture... Ah, je clique sur la peinture, pas sur le meuble. Je voulais admirer la peinture, moi. Ah. Ceci est un énorme coffre en bois. Cependant, je peux pas l'ouvrir si je n'ai pas les quatre fers à cheval. Ah. C'est ça où il doit y avoir les documents, je pense, qu'il veut. Oh. Oh. Ah, un morceau de papier déchiré. Quelque chose est écrit dessus. Bah oui, tu m'étonnes. C'est un E. Je peux pas combiner. T'es sûr? Ah ouais. La déchirure est sur le côté. Scratch, scratch. Ouais, ça aurait pu correspondre, mais non, c'est pas ça. Je peux pas combiner ces objets. Hmm. Des boîtes et encore des boîtes, rien d'intéressant. Si tu le dis. Ah. Hmm. Non, c'est même pas le bon meuble. Ah. Je ne peux pas l'ouvrir à la main. Ah ah. Bah. Y a rien d'autre? Non, y a rien d'autre. Une boîte en bois étrange. Oula, oui. Ouloulou. Oulou. Ouloulouloulou. Oulou. Alors là, oui. Non, y a rien à faire. Non, attends. On verra après. Attends, y a pas de lien entre la boîte et la manivelle. On est d'accord. Je peux pas combiner ces objets. La loupe. Oh, c'est quoi que j'ai pris? Ah, une partie du... D'accord. Du panneau rond peint en bois. Ok. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui a bougé. C'est quoi? J'ai entendu un... J'ai fait bouger un truc, mais j'ai pas compris quoi. Oh mon dieu. Ce truc fait flipper. La manivelle! Dis-moi que je peux bouger la manivelle! Nien. Non, ça marche pas. Commencez à te préparer ton petit maquis pour aviser tes fiches pour tout à l'heure. Comment tu le taquines? Ah, c'est ça! Oh merde! Oh merde! Oula! Ah! Ah! Ah, ah. Couleur primaire, bleu, jaune, rouge, non? Couleur primaire. Le tapis. Il n'y a rien de planqué. C'est quoi ça? Et un morceau de panneau de circulaire en bois peint. Ah bah c'est la suite de son portrait. Attends, c'est pas ça quand même. Oh, que c'est étrange. Que de mystère. Ah, l'autre portrait. Mon seul et unique homme, vraiment une personne énigmatique.
Le plafond. Je me méfie du plafond. Il est richement décoré, donc il peut cacher quelque chose. Ah. Attends. Ah bah, elle est bonne. Hop là. Comment ça, je peux pas les combiner? Faut que je les pose bêtement? Oh. Mais c'est bizarre ce truc de... Qu'est-ce que... Ça doit avoir une signification, mais alors laquelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la combi dans le mur? Oh non, quel rapport? Quel rapport? Vous me direz qu'il y a 4 moyens, 2 grands et 1 petit. Non, mais... Je veux le dispositif à côté. Est-ce qu'il y avait un truc de grandeur? Non. Non, non, non. Il n'y avait rien en grandeur. Merde. Donc là, le curseur devenait bleu. Ça veut dire que je pouvais cliquer dessus. Après, il faudra... Quoi, ceci sont très confortables, je m'imagine très facilement faire la sieste. Oui, bien sûr. Sauf que c'est pas le moment. T'es en train de nous chauffer notre fun fan, Twinsen, t'es vilain. T'es en train de le provoquer. Ah là là. Et cette boîte, rien de plus. Non, rien de tout ça. Attends, j'ai une clé, mais à quoi elle sert? Est-ce que je peux déjà mettre les cercles? Ouais. Je dois d'abord le reconstituer. Bah oui, mais... Oula. Oui, ça veut dire que j'ai pas le grand cercle, en fait. Il me faut le grand cercle qui doit être je sais pas où, dans un meuble. Pourquoi la petite clé m'a servi à rien? Là, on dirait qu'il y a un truc, non. Non, non, je peux pas interagir davantage. Merde. Est-ce que je m'acharne sur mon histoire de... 5... Attends, non. 4 moyens, 4, 2, 1. Ou 2, 4, 1. Non. 2, 4, 1. 2, 4, 1. 2, 4, 1. Mais 2. Mais... Ah, de gamin, bon. 2, 4, 1. Mais il est fou. 2. 4 et 1. Mais... La 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 la. J'aimerais faire 241. 241. Merde, non, c'est pas comme ça. Merde, je sais plus. 241. Ah, il a reculé de 2, ce con. Merde, j'ai disais 200, pas 300. 241.
Merde, je sais plus. 241. Oh, attends, je mets 4 et... Ah, d'accord, d'abord. Mais arrête de bouger. On va y arriver. Le pire, c'est que c'est peut-être pas ça, hein, 241. Allez, il bouge de... Merde. Mais merde, je suis pas sur le 2. Oh le con. Je suis dans une autre pièce, Sol. Je suis dans la dernière qui me rend fou. 241. J'y arrive presque mieux au hasard, tellement que c'est horrible. 241. J'ai fait n'importe quoi, je suis en train de devenir fou là. 241. Attends, 241. Merde. 241. Il faut quoi? Voilà, je te montre la pièce, Saul. Parce que là, je deviens fou. J'ai déjà déverrouillé 2-3 trucs, mais pas tout. Alors, pourquoi je m'acharne en 241? Parce que dans la pile de livres bizarres, je vois 4 moyens. Voilà.
On voit les 4 moyens, 2 gros et un petit. Donc je tente des combinaisons. Je peux peut-être... Oh, c'est trop bizarre. Comment je peux en déduire la combinaison? Oui, j'ai un 4, 2, 1, mais dans quel ordre? Merde. Là, je mets 2. Ouais, bah non, il voudra pas. Mais ça rend fou! Ah! Ça rend fou, fou, fou. 4, 2, 1. Si je mets le 1 là. 4 et 2. Non. Ah. Alors 4, 2, 1, mais pas dans le bon sens. Là, j'ai un 214 qui est pas bon. Je peux au moins me noter que 214, c'est pas valable. C'est pas 214. Ça va en faire des combinaisons. 214, c'est pas ça. 214, je l'ai dans le baba. Non. Je ne sais même pas si vous verrez mon gribouillé, mais je me le note comme ça. Je m'acharne dessus encore 10 minutes et puis après on passe au bibi parce que je veux pas vous endormir non plus, c'est pas mon but. Si je mets le 2 là avec le 1 là et là le 4. Non, ou alors c'est 4, 2, 1 comme ça. Attends, j'ai déjà pu, j'ai fait 214. Mais si je fais 241, non, ça marche pas. Je pense que c'est les 1, 1, 2, 4, mais dans quel ordre? Oh, ça rend fou. J'ai pas résisté à l'envie d'aller regarder la solution. Ah sacré sol. Non, j'ai vraiment essayé avec mon cerveau. Et encore, j'ai même pas sollicité le Joker. Appelle un ami, j'ai envie de dire, Christella. Ou Bastos, mais Bastos, il bosse. Donc malheureusement, il loupe. Mais une pensée pour Bastos qui travaille. Là, j'y vais bêtement au pifomètre, en fait. J'ai même plus le courage de... Eh ben oui, je peux pas faire 4-2 avec ça.
Si je le mets tout au fond, lui. Attends. Tac, tac. D'accord, lui. E, c'est un opposé. 4 là. Ah, oh, mais c'est bizarre. Ouais, il avance de 2. Il avance de 2 à l'opposé. Le jaune me suit. Si je fais ça. Ouais, pas lui. Le jaune me suit. 2. 0. Et lui, si je me mets là, c'est le jaune, d'accord. Non, résiste, s'il te plaît. Oui, non, attends, doucement, Saul. Lionel, énigme. Trouve la solution à l'énigme. Vide ton esprit pour trouver la réponse. Oui. Je pense que le nombre est composé des chiffres 2, 1 et 4. D'ailleurs, j'ai le droit à des indices, hein, carrément dans l'interface. Bonjour la Jed. 42, oui, c'est ça la question, la résolution de l'origine de l'univers, oui, 42. J'espère que tu vas bien la Jed. Deux cent quarante et un ne fonctionne pas. Les réglettes que tu bouges me font penser au jeu Heart of Iron 3. Ah, cœur de métal 3. Connais pas. 241, il s'est rien passé. 241, il s'est rien passé. Oui, c'est pas comme il me restait plein de combinaisons. Je l'ai fait dans les 200, il m'en reste 4 à faire. 124 et 142 et les 400. 412 et 421. Oh putain. Le 421 d'ailleurs, qui est un jeu, je crois. Il s'est passé un truc. Ah, merci d'avoir offert un abonnement à la Jed. Merci Sol. Oh là là. A toujours la main sur le cœur. Merci pour lui et puis merci pour moi forcément, puisque là... je touche une partie de la recette. Je fais mon malin, mais en ces temps difficiles, comme dit Aero, faites attention à vos sous. On est vraiment en grosse zone de turbulence au niveau de l'économie, là. Bon, n'y pensons pas et amusons-nous. Non, oui. Ouais, de rien, Jeff Bezos, ouais. Ouais, c'est ça. En attendant, il est toujours gagnant. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein. Bisous. Il est 124. Ou le 421. Non, mais forcément, il va pas. Presque. N'importe quoi.
Je fais n'importe quoi. Non, j'ai déjà fait les 200. Oh, mais qu'est-ce que je... Oh. Attends, est-ce qu'à un moment, ça revient en arrière? Ouais, à ce moment-là. Ah, mais je peux pas me mettre sur le 4, du coup. 244. 421. Ouais. 21. Merde. 400. Ah, 421. On a testé 421. 421 n'est pas bon. 421 n'est pas bon. 421. Il faut que j'essaie 412. Ah! 412 n'est pas bon non plus. C'est bien, on avance vite. Il reste les centaines. 412 n'est pas bon non plus. Il faut que j'essaie 100, 124 et 142. 124 et 142. Cent vingt-quatre. Merde. Ça peut pas être ça. Par contre, ça peut être ça. Attends. Merde. Cent vingt-quatre. Ouais, parce que si je le mets là, lui il bouge. À quel moment il va sur le bon? Attends. Oui, mais je suis sur le 5 parce que je l'ai... Attendez. Nayon a dit, j'apprécierais jouer à Minecraft autant qu'à TS demain, mais je ne voulais pas louper l'heure du vote. Et si je rate le vote après que le vote soit clos, je vais encore t'accuser d'être antidémocratique. Pourrais-tu me dire l'heure prévue pour le vote, s'il te plaît? À vrai dire, je l'ai pas défini. Je l'ai pas défini. Ce que je peux peut-être m'organiser pour demain. Demain matin, Final Fantasy. Je fais mon déjeuner, mais je pourrais vous mettre en fin. C'est un des rares trucs que j'ai fait cette semaine. C'est de retrouver le fichier non corrompu de ma compile de clips. Et bon, ça risque de faire répétition si je vous mets ça pendant le déjeuner. Et tu me diras, la durée max d'un vote, c'est 10 minutes. Non, c'est con mon raisonnement. C'est débile. Il faudrait que j'ai finisse l'heure d'un vote. Est-ce que demain midi, ça vous va? Demain midi, ça vous plairait comme heure de vote? Je vous propose demain midi, sur mon antenne, l'heure du vote. On pourrait même essayer Worms Armageddon, mais comme j'ai pas ouvert les portes sur ma box, normalement ça devrait échouer. Ouais, demain midi. Bon, je retiens demain midi, on fait le vote entre Minecraft ATS et puis faire des tests aussi de... Je ferai peut-être des tests d'ailleurs à midi. Je couperai à midi Final Fantasy. Je ferai sûrement les tests pendant le vote de 10 minutes pour Worms Armageddon. Et... Ouais, c'est pas con. Comme ça, je déjeune après. Et je relance sur le résultat du vote à 13h, 14h, quoi. Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué que quand tu avais commencé Dying Light récemment, tu aimes bien... Ah, j'adore! J'adore! J'adore!
Dying Light, je l'avais vu une première fois en tant que spectateur avec Fanta et Bob, The Fantasio 974 et Bob Lennon. Et j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré leurs aventures. Et maintenant que j'ai la chance de pouvoir y jouer, je goûte pas mon plaisir. Alors, je vise pas le 100%, mais je prends beaucoup de temps. Ouais, tu vous validez le vote à midi? Ok. Je prends le temps d'écumer les lieux de... Alors, en direct Twitch, je fais les quêtes principales, secondaires et entre guillemets tertiaires, mais il y a des tertiaires que je me réserve pour le YouTube, hors antenne, c'est-à-dire les défis quarantaine, par exemple, ou me libérer les zones libres, là, les abris. Ou faire des petits trucs. Peut-être les défis, j'ai pas encore essayé les défis. Sinon, j'écume la ville et j'engrange de l'expérience. Voilà. Mais j'adore. Dying Light, ça va être mon jeu de l'année 2023. Je vais pas le lâcher. Merde, j'avais dit quoi? Ah oui, les centaines. Oui, mais si je bouge ça... Oh la vache. Non, il faudrait que je sois dans le 6. Ça marche pas. Allez, on essaye 124 et 142, bordeloum. Merde. Non, attends, j'ai fait n'importe quoi là, je panique. 222. Ouais, le truc m'accompagne. Ça peut être rigolo, ça. Dans le sang, donc du coup, ça fait 100. 142. 142 ne fonctionne pas. Et maintenant, il faut que j'essaye 124. C'est là où 124 est la bonne combinaison. Ah bah! Eh ben non. Merde. Ma théorie est complètement fumeuse. C'est pas ça. Bah merde alors. La boîte étrange. Là, il y a le dessus et là, il y a le fond. Donc dessus, je peux faire un truc ou pas? Et puis il me dit que la clé est pas la bonne. Je dois essayer autre chose. On est bien d'accord, c'est pas ça. Merde alors. Où est-ce qu'il y a une serrure? Une serrure qui aurait échappé à mon intention. J'ai bien... Oh, j'ai oublié d'interagir. Oh merde, j'ai oublié d'interagir. Attendez. Oh mon dieu, je prends tout. Je dévalise tout. Oh mon dieu. Ah, la clé va là. Il y a une serrure là, bordeloum. Merci. Oh, c'est le test psychologique ou... Ah non, il est juste... j'allais dire hermaphrodite, n'importe quoi. Enfin, les herbes. Je sais plus. Mais j'ai rien pris. Pourquoi? Tell me why. Mais pourquoi je peux pas interagir avec le contenu précieux? Non?
Je ne comprends pas. Non, ce, aucun rapport. La manivelle pour le livre. Herboriste, merci Saul. Ouais, herboristerie, merci Nayonet. Il n'y a qu'un chiffre parfait, 666. Non, le chiffre, c'est le 6 et le nombre est 666. Mais c'est malin la jet, bravo. Aïe, aïe, aïe. Tu as prévu de faire les DLC. Alors la suite, The Following, oui. Et les contenus additionnels, c'est-à-dire les cartes personnalisées, oui. La totale, oui. Ouais, franchement extra. D'ailleurs, je rappelle, dans Dying Light, c'est l'indication que je donnais à Christella, il y a un hommage rendu à la démonstration disparue sur PlayStation de Silent Hill Pity. Cette carte, elle mime ça à perfection. Vous passez plusieurs fois dans la même pièce et à chaque fois, il y a un truc qui change. C'est... Merde, je te l'ai dit tout à l'heure, Christella. C'est illusion, répétition. Je l'ai dit tout à l'heure. La fatigue. La 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 la. Je fais quoi, une pièce circulaire en métal, peut-être une partie de quelque chose d'autre. Je veux admirer la pièce en métal. Ah bah c'est le truc de la manivelle, non? Ah mon dieu! Une petite manivelle mécanique, métallique. Mais je la mets où? Ne répondez pas à cette question. Où je mets de la manivelle? Nope. Censure. S'il vous plaît. Mais pourquoi je peux pas revenir dans le... C'était... Bon. Crotte. Ah, mais je suis nul. Je ne sais même pas ouvrir du mobilier. Je suis nul ici, mort. Ah, oh. 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 Oh, le mystère s'épaissit. Et le meuble... Ah, oui, mais j'ai déjà tout tiré dans le... Ouais, bref. Attendez. Il y a trop de choses en même temps. On est d'accord, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Allons-y. Alors... Merci de t'écarter du truc alors que je veux m'en approcher. Ah! Voilà. Oh mon dieu. Burp. Nope. Oh et oh, vous abusez là. Eh, correct! Sauf qu'il regarde pas là où il faut. Non! Non, je vais faire disque jockey. Mais non, mais l'œil est bien placé. Oh, vous êtes des sadiques. Vous êtes des sadiques. Vous êtes des sadiques. On est d'accord, je lui ai pas défoncé le regard, non? Hop là, non. J'essaye de manière infructueuse. Ah! Mais... pas précis, dis donc. Il n'y a pas une petite flèche? Peut-être. Peut-être. Ouais, manivelle. Oh, le projet Bandit Pity, j'ai la chance de ne pas avoir supprimé la démo de ma PS4. Elle a été retirée du... Mais oui. Oui, bah garde-la précieusement, Saul Goodman. Oui, la carte répétition. Oui, tu l'as un peu essayé. Alors, comment tu trouves de l'avoir un petit peu essayé, Christella? Moi, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis lancé dedans, je l'ai fait, je me suis laissé happer. Mais je suis pas allé au bout à cause d'un bug. Moi, je suis tombé sur un bug où mon perso s'est figé dans le décor. Parce que j'ai traversé peut-être maladroitement ou trop vite la pièce. Et il y a eu un bug pas prévu par le concepteur de la carte. Mais j'ai trouvé l'idée excellente. Mais je peux pas bouger le central, donc ça peut pas... Ne me dis pas que c'est à l'envers, non. Je suis en train de lui... Oh, c'est horrible. Je lui démonte le visage. Non, bah le sourcil. On le voit au sourcil. Faut arrêter. Voilà. Non? Non, on dirait qu'il a un problème avec son œil. Mais non, ça peut pas être ça. Mais...
Attends. Ah, qui aurait deviné? Le tableau représente mon oncle. Ah, allez. Ah, salopard. Alors, c'est quoi? Oui, je parle mal de l'oncle. Un morceau de papier déchiré, quelque chose est écrit dessus. Grr. Agru. Agru, gru, gru. Agru, grou. Agru, gru, grou, grou. Ah, great. Great, non? On y est presque. Précision. On m'en parle pas de la précision. Oh, je vois qu'on va vers les 19h. Je serais tenté de mettre tout de suite les bibis et puis on fera ça une autre fois, la suite. Parce que voilà, quoi. Tant de livres. La 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 la. Oh oui, je peignais lui-même. Attends, j'ai pas regardé le reste de mes trucs. Oh, trois codes. Agra. M'en fous. Je vais tenter le greu, j'en ai rien à péter. Au point où j'en suis. Gra. Voilà, c'est pas ça. De toute façon, ça veut rien dire. Normalement, les mots ont un sens, une signification. Nul, le mec. Agra. Bon, alors, c'est quoi? L'alphabet est écrit... Oh... Oh... Oh, oh, oh. Bon, diagodébe. Non, reviens. Alors, le S vaut 1, le U vaut 2, le N vaut 3. Sun. Chi, chak, chan, chan. Da, 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 da. Chi, chak, chan, chan. Cha, 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 cha. Oui! Ah! R. R. Grr. Je dois essayer autre chose, t'es sûr? Ah merde, c'est pas ça. Excusez-moi! Alors, il me reste deux serrures à tester. Celle-là. Merde, c'est l'autre! Ah, Sheila, Sheila, ouvre-toi. Burp. Bah alors, ouvre-toi. Bah, ah, merci. Oh mon Dieu, Kizako. Rien ne s'éclaire en bleu. Si le curseur devient bleu, c'est qu'il y a une interaction. Là, c'est pas le cas. Burp. C'est quoi que j'ai... Oh, j'avais pas vu que je pouvais déplacer le carton. Ah bah elle est bonne. C'est par inadvertance que j'ai... Oh... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un message secret. What? Waouh! J'ai pas d'idée. Des documents secrets! Comment ça, un message secret? Quoi? Bouquin? Ah! Ça se lit! Merci pour les souhaits. Merci, merci. En vocale ouverte, les bolettes de course. Ouais. Ah, les bolides de course. Oui, oui, on fera... Oui, oui. Oui, oui, j'ai jamais osé pour l'instant. J'ai d'autres cartes inintéressantes. Ah, il y a d'autres cartes... Ah bon? Ah. Oui, oui, les bibis. On va passer aux bibis. Je lis ça et on passe aux bibis. C'est bien, au moins j'aurai un leitmotiv pour reprendre plus tard. Mais excellente idée de Saul, merci de me l'avoir suggéré. Alors, après avoir passé tant d'années avec les autres membres, oui, la société secrète. Après avoir passé tant d'années avec les autres membres, je suis convaincu que cette soi-disant Gordon Society est beaucoup plus qu'elle ne semble en surface et ses racines sont d'une profondeur insondable. Si profonde que je suis encore incapable de trouver ce qu'il y a au fond. Avec un peu de chance, avec le rang de maître, je serai capable d'apporter un peu de lumière sur certaines questions. Comment une organisation pacifique d'amoureux de défis à travers le monde a pu faire disparaître un homme d'affaires puissant et transférer sa fortune en quelques jours? Cela sera peut-être un grand choc pour vous,
mais je refuse de croire que l'accident de vos parents n'a rien à voir avec la Gordian Society. Ils dissimulent soigneusement leurs traces et je n'ai pu qu'entrevoir des indices ici et là pendant toutes ces années. C'est à vous de décider de tenir compte de mes conseils ou de croire ce que votre mentor vous a dit. Je veux juste que vous sachiez que j'ai seulement votre intérêt en tête. Sinon, pourquoi vous aurais-je contacté et offert toute ma fortune ? Ceci est un aperçu de la situation réelle derrière le décor. J'espère que nous pourrons discuter un peu plus sur cette question plus tard. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance. Souvenez-vous de ne faire confiance à personne. Cependant, n'ayez pas l'air méfiant envers votre mentor et les autres membres. C'est mieux qu'ils croient que vous en savez beaucoup moins que réellement. Parce qu'après, ils pourraient nous reprocher de pas en ignorer assez. C'est du François Pérusse que je vous cite. Eh ben, c'était cool. C'était cool et on va passer au bébé. Je sais jamais comment on quitte proprement ce jeu. J'ai toujours peur que ça bug. Voilà, sauvegarder et quitter. Merci. Wouh ! Nickel. Ah, c'était bien. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan.